Et yo les petits potes, juste un petit message avant de lancer la vidéo qui est très très important les gars, je tiens à rappeler que le casino est toujours gagnant, il n'y a absolument rien à faire contre ça les gars, c'est mathématique, vous pouvez rien y faire, vous avez beau être le plus beau, le plus smart, choisir la meilleure technique de martingale, tout ce que vous voulez, vous allez perdre de l'argent quand vous allez déposer, c'est normal, c'est mathématique, il n'y a rien à faire les frérots. Donc vraiment le casino doit être considéré comme un loisir, si quand vous déposez vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent, vous n'allez pas vous amuser quand vous déposez, il n'y a aucun intérêt à le faire les gars parce que vous avez des très grandes chances de perdre votre argent. Et en plus, bah, si vous prenez pas de plaisir et que vous déposez de l'argent sur un loisir, ça n'a pas de sens les gars. Donc vraiment, il y a assez de choses difficiles dans la vie pour pas se rajouter nous-mêmes des choses qui sont difficiles. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions, pourquoi vous déposez, etc. À chaque fois que vous allez dépôt, ne faites jamais des dépôts impulsifs. C'est la pire chose à faire, les frérots. Prenez soin de vous, vraiment. Si le casino n'est pas fait pour vous, que ça vous apporte plus de négatifs, il n'y a pas de problème. Il y a tellement d'autres activités que vous pouvez faire dans votre vie. Allez trouver une activité qui vous fait plaisir, du sport, ce que vous voulez. Passez du temps avec vos potes, vos proches, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Prenez soin de vous, en tout cas, les gars. Je vous laisse avec la vidéo. Et encore une fois, cette vidéo est à but de divertissement. Ne vous abusez jamais à reproduire les comportements que je fais dans les vidéos, les mises à laquelle je mise, etc., etc. Bonne vidéo, prenez soin de vous, oubliez jamais la vie, les gars, la vie est déjà assez difficile, ne vous rajoutez pas des trucs difficiles. Prenez soin de vous, kiffez la life, et je vous dis à très vite. Bonne vidéo, les gars. 3, 2, 1, et c'est parti! Oui, messieurs, dames, on est parti! Nouveau bonus, 4800 balles, les gars, 7 bonus, 128 de break-even. C'est tendu, les gars, et l'info principale, c'est qu'on est à 91% du wager, donc potentiellement... On n'est pas loin du retrait si le hunt se passe bien. Après là, avec ce hunt là, les gars, on a des slots de merde, on va pas vous mentir. Il y a full pragma déjà, donc c'est compliqué. Et il y a du big bass, du always gold. Il y a toutes les slots où t'as envie de t'as peur de te faire éventrer, quoi. Donc j'ai très très peur, les gars. Il y a une tension vraiment importante, ça va être très volatile. Peu de bonus. On a farmé quand même cher. On n'a pas eu de chance sur le farm en vrai. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on est parti, les gars. Allez, s'il te plaît, là. Ça serait cool. Ça serait cool, ça serait cool. Wild West Gold. Wild West Gold, on a les deux. On a la normale et la Mega Waves. On va voir ce qu'on peut faire avec tout ça, les gars. Moi, perso, je joue que je peux perdre et ça me va très bien. Après, j'ai la chance de pouvoir me permettre de jouer entre 5 000 et 10 000 par mois. Après, c'est assez chance, c'est incroyable. Mais en fait, ça ne change pas le montant que tu joues, frérot. Peu importe le montant que tu joues, c'est le phénomène psychologique de dépasser ce que tu as envie de jouer qui compte, tu vois. Je sais pas si tu joues clair, mais même si tu as 10 000... Bah, c'est la capacité de rester dans ses limites, quoi, qui est importante. Je vais mettre le son. C'est un plus sympa avec le son. Si t'as 10 000 de capacité mensuelle et que tu te fais baiser et que tu rajoutes 10 000, bah, tu vois, c'est la même logique, quoi. Excuse-nous, en tout cas, pour les 10K. Hein. Je pensais que t'étais du troll, mais... Ok, let's go. Le four tourne bien. Ouais, t'inquiète. Ça sent le mytho, bien sûr. C'est du troll au douf, les gars. Ok. Mais le principe est le même, en tout cas c'est important de le préciser. Ok, on commence à avoir un petit setup sympa. Allez, faut rajouter des wild là. Faut rajouter des wild ou des spins. Ok, c'est pas si mal hein. Là je rêverais de reprendre un retrag en vrai. Ça peut être un bon start d'hunt. Allez, au moins le fois 100. Je serais heureux sur cette slot de fou là. Pas gagné, reste 2 spins. Enfin, le setup par contre il est stylé hein. Mais que ça là? Non. Arnaque là. Oh là là, le setup qu'on avait frère. On fait le foisson tout juste. 549, ça reste en dessous du break-even, mais c'est un bon start quand même. Ça aurait pu être bien bien pire évidemment. Ok. On va aller sur la Mega Waste. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la Mega Waste d'ailleurs à Wild West Gold. J'étais content de là, j'ai la farm. Et après les gars, toutes les slots... C'est un full pragma compliqué quoi. Il y a que des slots pour te faire niquer quoi. Les big bass, les wild walkers. Ouais, ça va être compliqué. On va voir ça. Allez, let's go, s'il te plaît. Les wild. Salut, consume. Allez, full pragma, je pense que ça a toujours été mes hunts les plus difficiles. Hein. Allez, nettoie là, fais un effort, bordel. Ça, c'est pas le même bonus. Salut Arnaud. Oh, l'horreur. L'horreur, l'horreur. x4, superbe. Allez, Magician Secret. Elle est en train de m'enculer le retrait là. Salut Argos Pache.
Salut Mori Pepito, salut tous ceux qui nous rejoignent les gars. Gel pour le retrait, ouais. Là, là, pour l'instant, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Ça promet d'être compliqué. Allez. Il nous restera l'équivalent de 7500 balles à Wager pour finir le Wager. Donc c'est loin d'être gagné. Même si on finissait à 4000 ou au start à quasiment... Oh, ça c'est bien ça, les deux roses là. Il reste combien de spins? 4, non? Ah, 5, nice. Allez, continue. Allez, tu trolls, là il en faut un, quatrième colonne. Ça peut péter, hein. Oh, les roses. Oh oui! Oh, attends, le setup là. Hein. Oh, ça va être un beau bonus, ça, les gars. Ça va être un beau bonus. Sachant que si on prend un... Par contre, il n'y a, des... a pas de premium sur le première colonne, c'est dommage. Enfin, s'ils font un livre première colonne, les gars. Oh là là, dommage. Si on prend un quatrième sur la colonne 3, là, on prend... Oh, nice! Oh, il faut autant. Oh, j'ai pas compris comment on fait autant. Il y a le poignard, quoi. J'ai pas compris comment on a fait autant sur le spin précédent, mais... Très, très beau bonus, les gars! Voilà ce qu'on veut! 1245 balles! Ça, ça fait plaisir. 10 x 208. Allez, Wallwalker. Qui c'est qui critiquait les pragmas, là? Bande de fous. Wildwalker. C'est type pas. Ouais, on a pris 0 livre, hein. Dommage. Ça aurait vraiment pu être un setup, ça, à prendre ouais, 3K, je pense. Petit 3K. Dommage pour les livres. Allez, Wildwalker. J'adore ce bonus. Eh, gros start. A priori. Ok. 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 Bon. Salut Tubi. Sans la merde, hein. Tellement dur celle-là. Tellement bien, mais tellement dur. Je vais faire un petit tour sur le tableau. On est un peu plus que la moitié du hunt là. Heureusement qu'on a eu le hit sur Magician Secret, clairement. On a ouvert 4 bonus pour l'instant, on a récupéré 1900 balles sur les 4008 de start. On est sur un multi-moyen à 82, sur un break-even à 128, donc dans tous les cas, ça va être très compliqué pour récupérer le start. À moins qu'il y ait une dingue dans les 3 bonus, mais quand tu regardes la gueule des 3 bonus, bon, pas sûr. Va falloir limiter la casse, quoi. Allez, Big Bass Splash, c'est parti. 3 bonus left. Allez, Big Bass Splash, s'il te plaît. Salut Ramirez. Putain, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi. Bon, oui, BG. Un sur deux par rentable, là, non. Surtout quand t'as un break-even à 128, tu peux pas te contenter d'un bonus sur deux. Ouais. Sur... Max Wingate, ça. Alors. 3 ans, il attend la Max Wingate, ça. Basse. Celle-là, je la sens pas du tout. S, puis je dis ça pour qu'elle mette. Avec Jojo Pie. Ça va, BG, écoute. On essaie de survivre sur ce petit Huns. Bien bonjour, Grubzy. Yeah, c'était pas mal, par contre. C'est une chance de passer en x2. Ok, x2. On a même l'opportunité de prendre quelques petits trucs d'avance. Fisher. Oh my god. Ok. Bon, ça c'est loin d'être un bonus de ouf. Hein. Oh, ça aurait été pas mal ça en x2. Okay. On fait pas beaucoup d'efforts non plus. Connectez s'il vous plaît. Ça ne serait pas de refus les gars.
Connecte avec les sardines. Je n'arrange pas ça. Parce qu'il nous arrange le plus, les gars. Allez, 5 spins. Au moins un hit, quoi. On va... Oh, putain, les bâtards. Oh, il était magnifique, celui-là. Oh, c'est un hit à 1 qu'il y a quasiment. Bon, je pense qu'on verra pas le x3, a priori. Pas besoin d'être Madame Irma pour le comprendre. Oh là là, pas l'horreur. 6 slots de mort. Dégueulasse. Dégueulasse. x44, les gars. Pas du tout ce qu'on veut. Allez, sur Bigger Bass, Blizzard. Celle-là, je l'adore. Après, bon, bah, c'est une Big Bass, quoi. Paye pas tout le temps. Loin de là. Et après, en dernier, on aura Gates Mill, les gars. Je crois que c'est une des premières fois qu'on a Gates Mill dans un hunt. On va voir ce qu'elle peut donner. Salut, Toc. Bienvenue, BG. Allez, s'il te plaît. Très très mal, hein. Oh là là là. Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire là? On va forcément reconnecter un pêcheur, les gars. On est même pas en x10 pour l'instant. Le minimum c'est x10 sur la slot. Aïe. Tu peux pas prendre des plus gros poissons, toi, s'il te plaît, quand même. On est en x10 maintenant. Il reste un spin. J'y la sens pas trop, on va pas se mentir. Ah, c'était... Oh, regardez-moi tous les... Oh, les bâtards. Hein. On s'emballe. Aïe, 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 ça commence à bien sentir le sapin, là. Sur le dernier bonus, pour finir break-even, il faut qu'on récupère 2600 balles, les gars. Sur Gates Mill... Elle est là. Bizarrement, j'ai du mal à y croire, les gars, mais bon. Aïe, 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 aïe. T'as un crâne qui ressemble à une burne, mais quel kiff de tomber sur tes lives. Merci, BG. Merci, mon bro. C'est gentil, mon poulet. Ok, on commence par connecter, ça, c'est nice. Multi, multi, multi. Les couronnes, deux. Encore. Multi. C'est pas les 2600 balles qu'il nous faut pour finir break-even, mais c'est un bon start. Bah, je t'enchaîne pas. Ouais, vas-y, troll pas là. Avec un start comme ça, tu peux pas me troll, c'est pas possible. Du jaune, du bleu. Ok, deux jaunes, un jaune. Nice. Multi, 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 multi. Attends. Déjà, il y a un truc bizarre là. Hein. Je sais pas si vous sentez pareil, mais d'habitude, ça connecte pas. Hein. Ok, 400 balles. Allez, enchaîne, s'il te plaît. Troll pas. Allez. Ah non. Là ça commence à plus ressembler à ce qu'on connaît. Ah l'enfer. Ah ouais ouais. Ah voilà quoi ouais. Multi s'il te plaît multi. Multi. Oh s'il te plaît c'est un putain de hit en vrai. Oh là là, dommage, en vrai ça aurait été pas mal. Là, il n'y a pas assez de connexion. Ah, c'est fait. Bon, avec le start, c'est fait un peu chier dessus derrière quoi. Du vert, un vert, on gratte tout ce qu'on peut. Ah. Franchement, chauffe TN, c'est vraiment de la pisse. Ah, les gars, c'est le casino, c'est comme ça. Moi, j'y peux rien, j'essaye de faire ce que je peux, mais. Ah là, bon, j'ai tout essayé, les gars. J'ai tout essayé. 498. On finit sur un net à moins 2K, bordel. Oh là là, quel enfer. On prend quasiment à moins 50% aussi près du retrait de Wager. C'est une catastrophe. Et ça a été... Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Rouge ou vert, quoi. Bon, évidemment, du coup, petit une prévention. Faites attention, les gars. Le casino, c'est pas magique. C'est 95% du temps comme ça, les frérots. C'est normal. Sur le long terme, vous serez toujours perdant. Si vous ne jouez pas pour le plaisir, ne jouez pas, les gars. Ça doit être que du plaisir. Sinon, il n'y a aucun intérêt à perdre de l'argent. Pour ne pas prendre de kiff. Des bisous à vous, à très vite pour une nouvelle vidéo sur YouTube les gars. Ciao, ciao.